Good morning, allez, Yiden, l'étude aujourd'hui, il est Elohim Nishmat, Rivka, Batsara, Rachel, Rachel, Batsara, Yosef, Ben Nemasimcha, Peggy, Bat Esther, Zahar, Bat Mazal Tov, Shivorti, Shmoshé, Ben Sultana, Moshé, Michel, Ben Machlouf, Zohar, Rosette, Bat Sultana. Si vous souhaitez, vous aussi, dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions Baba, Sanhedrin, Perek Bet, Mishnah Bet, Hamelech, Lodan, Velodanin, Oto, Lomeid, Velo, Meidin, Oto. לא חולץ ולא חוצין לאשתו, לא מייבם ולא מייבמין את אשתו. רבי יהודה אומר, אם רצה לחלוץ או לייבם, זכור לטוב, אמרו לו, אין שום מין לו, ואין נוסין על מנתו. רבי יהודה אומר, נוסע המלך למנתו של מלך, שכן מצינו בדוד שנעשה למנתו של שאול, שנאמר, ואתנה לך את בית אדונך ואת נשי אדונך בחקך. On a introduit hier que notre פרק בית est relativement hors sujet. On a traité dans la première Mishnah de plusieurs halakhot par lesquelles on distingue le Kohen Gadol. Et maintenant, de notre Mishnah jusqu'à la fin du Perek, on va parler de toutes les halakhot qui concernent le roi. C'est fréquent dans la Mishnah. Un sujet entraîne un autre et quand on est confronté à des petits sujets courts, on clôt le sujet jusqu'au bout, même si ça n'a plus de rapport avec la Maseret, et après on revient sur le vif du sujet. En l'occurrence, on a évoqué une halakha spécifique au Kohen Gadol qui devait se faire juger avec 71. On a dit c'est déjà bien, on va te rapporter plusieurs halakhot sur le Kohen Gadol. On a fait une Mishnah et après en parallèle il y a le roi qui a des halakhot qui sont similaires, un peu différentes, mais en tout cas qui traitent des mêmes sujets. De ce fait, on va balancer toute la halakhot, on va apprendre toute la halakhot qui concerne le roi. Il y a dans Masechet Avot, dans la même Chet Kinanim, le Perek Vav, dans lequel on parle des Kinanim, de la Torah, et des Maalot, du Kohen Gadol et du roi. On compte là-bas 30 Maalot. Ce sont les 30 Halakhot par lesquels on distingue le roi. C'est ce qu'on va traiter jusqu'à la fin du chapitre, à la fin de la Mishnah. Maintenant, autre petite introduction, un principe général qui va apparaître tout le long, c'est la dernière phrase du cinquième, de notre Perek dans la Mishnah. Là-bas, on va rapporter le Pasuk dans la Mitzvah, lorsqu'Hachem nous ordonne de nommer un roi. Hachem nous dit « Som tassim alecha melech » « Tu mettras sur toi un roi ». Cette expression de dire « Som tassim alecha melech » signifie « Mets-toi sur la tête un roi ».« Mets-toi un roi sur que tu vas être obligé de craindre, qui va te faire peur, que tu vas vénérer ». Et de ce principe vont découler plusieurs halakhot qu'on va découvrir donc tout au long du Perek. Et la première, qui va être pas exactement ça, on va l'expliquer tout de suite. « Hamelech lodan velodanin oto » Le roi, ni il ne juge, ni on le juge. Il ne peut pas lui-même siéger au Beth Din, et il ne peut pas lui-même comparaître devant un tribunal. L'Omeid velomeidinoto, il ne peut pas témoigner, on ne peut pas témoigner contre lui. En réalité, cette halakhot-là ne concerne pas la malchut de David. Vous savez bien que la vraie dynastie royale, c'est David HaMelech. Il y a eu en parallèle, après, à l'époque de Rechavam, juste après Shlomo HaMelech, la Malchut d'Israël s'est séparée en deux. Il y a eu Malchut d'Israël et Malchut de David. Et là-bas, il y a eu des rois qui n'étaient pas des descendants de David, c'était des rois des Aseret HaShevatim, des 10 tribus. Ensuite, au Bayit Sheni, avec l'époque de Chanukah, lorsque les Hashmonaïm ont réussi à chasser les Grecs, ils ont ensuite pris le pouvoir, ils sont devenus des rois. Ils ont ouvert une dynastie royale des Hashmonaïm. Ça a duré pendant quelques décennies. Maintenant la Mishnah vient nous enseigner. Sache que les rois descendants de Hashmonaïm, qui ne sont plus dans la Malchut de David, ni ils ne jugent, ni on les juge, et ni ils témoignent, et ni ils peuvent témoigner. Pour quelle raison? À cause d'une histoire très triste qui s'est passée avec Yana Yemeler, qui était un des descendants de Hashmonaïm, un roi de la dynastie de Hashmonaïm. Il y a eu une histoire que son esclave a tué quelqu'un, il a fallu l'appeler au Beddin et le condamner avec 23 juges, comme ce qu'on a appris. Seulement, il y a une halakha spécifique que lorsqu'un esclave se fait condamner, il faut que le maître soit là. En l'occurrence, le maître de l'esclave, c'était le roi lui-même, Yana Yemeler. Yana Yemeler est venu, et il y avait toujours beaucoup de friction entre Yana Yemeler et les Chachamim, avec Shimon ben Shattach, qui était son beau-frère, c'était le Gdolador, Mamash al-Nasi, et c'était le beau-frère de Yana, si je ne me trompe pas. Ouais, quasiment sûr. Et il y avait beaucoup de friction, et un piqué l'autre. Yana Yemeler avait une tendance d'apicorsout, d'épicuréen, c'était une situation très compliquée. Les politiciens contre les rabbanim, ça commençait déjà à l'époque. Et donc ils se retrouvaient maintenant en train de comparaître devant Shimon ben Shattach.
Et Shimon ben Shattach a demandé à Yanaï de se lever, comme tout juge qui demande à celui qui est comparé devant lui de se lever. Et Yanaï s'est mis à lui ricaner et à menacer du regard les autres juges. Les autres juges ne savaient plus où se mettre, ils ont commencé à regarder, à esquiver le regard, ils se sont sentis mal. Shimon ben Shattach s'est remporté contre les deux juges, contre tous les juges, il y avait 23 juges. Il s'est emporté contre les juges qui étaient autour de lui, en le réprimandant très violemment. Vous n'avez pas honte d'avoir peur de lui, Hachem vous a demandé de juger. Suite à ça, il y a eu l'ange Gabriel qui est venu, qui a tué les juges qui étaient là. Bref, ça s'est transformé en grand carnage. Suite à ça, Chachamim ont dit, Ad Kahan, jusque-là, on arrête de juger ces gens-là qui ne sont plus du Malchut Bedavid, tandis que Malchut Bedavid, tout ce qu'Hachem a nommé David, et ce que David lui-même faisait toute la journée, et Shlomo HaMelech ensuite, c'était justement de juger le peuple. Le rôle du roi n'est pas que de faire le beau gosse avec ses dinars d'or, mais c'est plutôt de faire de l'ordre dans le pays et de juger et d'aider à voir clair. On a déjà eu l'occasion d'en parler quand on était dans Bava Kamma. On ne va pas ouvrir le sujet. En tout cas, donc, de ce fait, toute la partie qui a marqué ici, ni on le juge, ni il se fait juger, ni il témoigne à cause du même principe, parce qu'il doit aussi se lever pour témoigner. Donc, on a dit, vous savez quoi, ce qui n'est pas Malchut de David et les descendants de la dynastie de David, on ne les juge pas, ils ne témoignent pas. Maintenant, pourquoi ils ne peuvent pas eux-mêmes juger? Il y a eu un problème avec le fait que lorsque eux comparaissent, mais peut-être que pour eux, ils pourront eux-mêmes juger, ça c'est une grande règle. Charité bien ordonnée commence par soi-même, c'est dit dans le Navi, « Itkosheshu vakashu vakoshu » Chachamim enseigne Kshot atzmecha v'achacher kshot acherim. D'abord, soucie-toi toi de te parfaire et après commence à chercher à parfaire les autres. Soit, si toi-même t'es pas capable de comparaître et d'encaisser un psak din qui va aller contre ta faveur, tu peux pas toi prononcer un psak din, une décision qui va aller contre quelqu'un d'autre. Si toi on peut pas te juger parce que t'es quelqu'un d'un tempérament qui fait qu'on peut pas te juger, donc on va pas te permettre toi de juger les autres. D'accord? Fin de la première partie, des deux premières phrases de la Mishnah. Ensuite, lo choletz velo choltzin l'ishto, lo miyabem velo miyabmin at ishto. Ni il ne fait la chalitza, ni il ne fait le hiboum. Pour rappel, une femme, sa belle-sœur, veuve, son frère qui décède sans laisser d'enfant, un homme a le devoir, la mitzvah, de faire le hiboum à sa femme, de se marier à cette femme-là, à cette veuve, de se marier avec elle et d'avoir une progéniture pour laisser un souvenir à son frère défunt. Ça, c'est la mitzvah de hiboum. Et lorsque le frère ne veut pas se marier avec la femme, alors la femme devra procéder à la chalitza, lui retirer la chaussure, cracher sur lui. Le bedin lui dira « Kacha yasele jejer lo yunet bet achiv » Ainsi, on fera celui qui ne veut pas reconstruire la maison de son frère. Et il y a ici quelque chose d'assez affligeant. Vous imaginez bien d'abord de cracher sur le roi, de lui retirer sa chaussure. Donc, étant donné qu'on ne peut pas lui faire la chalitza, il y a ici un désagrément. De ce fait, on ne lui fera pas non plus le hiboum. Il y en a qui expliquent qu'on ne peut pas lui faire le hiboum pour une autre raison. C'est Bartanoï qui va expliquer, puisqu'on ne peut pas lui faire le chalitza, on ne lui fera pas non plus le hiboum. Ça va de soi, ça va de pair. Il y en a qui discutent, qui interprètent ça un peu différemment, en expliquant qu'on ne peut pas lui faire. Qu'il ne pourra pas lui-même faire le hiboum à une autre personne. Parce que ce n'est pas digne que le roi va se mettre maintenant à faire des actions pour respecter son frère. Il y a une halakha, hein. Que Rav Shemachal al Gvodo Gvodo Machul, un roi, un Rav, un Talmid Chacham, qui renonce à son honneur qui lui est dû, il a le droit de renoncer. Tandis qu'un roi, il n'a pas le droit d'être Mochel al Gvodo. Même s'il veut, il dit, supposons qu'un roi dit à ses conseillers, il leur dit, bon, allez, quand on est entre nous, ça va, on est comme à l'école, on va fumer nos cigarettes en cachette. D'accord? Supposons qu'il va. Ouais, parce que ses amis n'auront pas le droit de se conduire malgré tout familièrement avec lui. Ils devront nécessairement se lever, ils devront lui parler avec respect, ils n'auront pas le droit de porter sa couronne, comme tout ce qu'on va apprendre. Il n'a pas le droit d'être mochel sur son kavod, de pardonner, de renoncer à son honneur qui lui est dû. De ce fait, il n'a pas le droit non plus de se dire « c'est plus important pour lui de construire la maison de son frère et de se marier avec la Yevama ». Non, il n'aura pas le droit, parce que c'est pas digne que lui va se rabaisser à s'occuper maintenant à construire à se marier avec une femme pour que toute sa descendance ne lui appartienne pas, mais qu'elle soit plutôt appelée au nom du frère défunt. Ça, c'était pour le fait qu'on ne lui fait pas la chalitza.
et le fait qu'il ne peut pas, ouais, qu'il ne peut pas faire la Khalitsa, et le fait qu'il ne peut pas faire le hiboum. Maintenant, inversement, si lorsque lui décède, on ne pourra pas faire le hiboum à sa femme, ça c'est une halakha simple, qu'on ne peut pas se marier avec la femme du roi. La femme du roi, plus personne peut la prendre, c'est pas digne, c'est un outrage à la majesté très violent de prendre sa femme et de commencer à vivre en intimité avec ce qui était intime à lui, c'est logique. Rabbi Yehuda Omer, Imratzalach Lotz, Oleyabem, Zachur Letov. Rabbi Yehuda dit non, le roi, lui selon Rabbi Yehuda, un roi a le droit de renoncer à son kavod, au moins pour faire une mitzvah. S'il veut faire la, il veut permettre à sa belle-sœur de faire la khalitsa pour qu'elle aille se marier avec quelqu'un d'autre, ou tout simplement de lui faire le hiboum, il a le droit. Il n'a pas l'obligation, mais il a le droit. Zachor Latov, qu'il soit béni. Amroulo Chachamim, on dit non, En Shomin Lo, on ne lui permet pas, on ne l'écoute pas, on ne le laisse pas prétendre vouloir le faire malgré tout. Ve En Nos'in Almanato, on ne pourra pas se marier avec sa veuve, c'est la halakha qu'on a évoquée précédemment. Rabbi Yehuda Omer, Nosé Amelech Almanato Shel Melech, Sheken Matzino Bedavid, Shenasal Almanato Shel Shaoul. Le Rabbi Yehuda vient et nous apporte une précision. Regardez comment Rabbi Yehuda, tout le long, il va être plus Mekel de manière générale. Et là, en l'occurrence, Rabbi Yehuda vient nous dit, sachez que le roi a le droit, qu'on a le droit de se marier, qu'un roi a le droit de se marier avec une veuve d'un autre roi. Ça, c'est permis. Selon Rabbi Yehuda, il rapporte un passouk, Sheken Matzino Bedavid, Shenasal Almanato Shel Shaoul, comme on a vu chez David Ameler, qui s'est marié avec la veuve de Shaoul. Chez Neymar, comme le passouk nous dit, on n'a pas vu parmi toutes les femmes de David qu'il y en avait une qui était une femme, qu'il y en avait une qui était initialement la femme de Shaoul, mais on a vu que lorsqu'Hachem lui a promis la malchut, la royauté, il lui dit comme ça, Va etena lecha et bet adonecha, et je te donnerai la maison de ton Adon. David Ameler, qui était un serviteur de Shaoul, il jouait de la musique devant lui, de la harpe, et Hachem lui a promis, sache que je vais te nommer Vetenelecha et Betadonecha, je te donnerai la maison de ton roi, de ton maître, Vetneshe Adonecha Bechekecha, et ainsi que les femmes de ton maître, sous ta tutelle, sous ton Bechek, d'accord, sous ton bras, je n'ai pas le mot exact, mais en tout cas, sous ton bras. Concrètement, Chachamim ne sont pas d'accord, ils expliquent en réalité, non, les femmes de ton maître, ce n'est pas les femmes avec lesquelles ton maître s'est marié, mais c'est plutôt les femmes de la maison de ton maître, soit Michal et Merav, les deux filles de Shaoul, il y avait toute une histoire exactement qui était la vraie femme de David, bon, ça c'est un peu hors sujet, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, David était aussi le gendre de Shaoul, et c'est ça ce qu'a écrit, je te donnerai les femmes de ton maître, les femmes de ton maître. On a fini la Mishnah, on fait à présent le Barthénora. Amelech lodan velodaninoto. Le roi, ni on le juge. Vedavka malché Israël. On ne parle que des malché Israël, ce qu'on appelle la malchut Israël. Chez enam nishmaim les divrei chachamim. Qu'ils ne se soumettent pas aux paroles des chachamim. Aval melech, mais malché bet David. Par contre, un roi de la dynastie de David, Dan, il peut juger. Vedaninoto, et on le jugera aussi. Chez Nehemar, comme le passouk nous dit dans Yirmiya, Bet David ko amar Hashem, maison de David, ainsi a dit Hashem, dis-nous la boker mishpat, jugez le matin, le mishpat, avec justice, je ne sais pas comment traduire, en tout cas, jugez, bekitsur, donc la malchut Bet David, vadaik, c'est sûr qu'ils doivent juger. En shomin lo, on se rapporte sur, maintenant, Chachamim, qui ont réfuté le Rabbi Yehuda qui permettait au roi, Rabbi Yehuda permettait au roi de faire le hiboum ou la khalitsa s'il désirait. Chachamim ont dit non, il n'a pas le droit. Pourquoi? Des melech shemachal al kavodo en kavodo machul. Car un roi qui a renoncé à son honneur, qui lui est dû, en kavodo machul, il n'a pas, ça n'a pas marché, c'est pas effectif. Et de ce fait, vegda yo sheyachlot, ou lo sheyachlot. Et c'est quelque chose de rabaissant pour lui s'il se mettait à faire la khalitsa. C'est-à-dire qu'on lui retire la chaussure, ou bien, ouais, qu'on lui retire la chaussure. Veyarka befanav, et que sa belle-sœur va se mettre à lui cracher devant lui, c'est pas digne. Vechol shena bat khalitsa, ena bat yiboum. Le Barthénora expliquait, puisqu'on ne peut pas lui faire la khalitsa, donc il ne pourra pas non plus faire le hiboum s'il veut. Ce que je vous ai rapporté, c'est ça ce qui est écrit dans le Barthénora, c'est selon Rambam, et ce que je vous ai rapporté tout à l'heure à l'oral, l'histoire de
que c'est pas digne pour le roi de construire une maison qui n'est pas la sienne. C'est rapporté par Rashi, c'est rapporté tout ça dans Tosfotim Tov ici. Vechen alacha, et ainsi est fixé l'alacha comme chachamim, que le roi ne peut pas renoncer à son honneur, qui lui est dit. Melech nosel manato shel melech. Rabbi Yehuda a rapporté autre chose, qui nous disait qu'un roi a le droit de se marier avec la veuve d'un autre roi. L'alacha, que Rabbi Yehuda, beha. Sur ce point-là spécifiquement, l'alacha est établie comme Rabbi Yehuda. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Aslacha, kol tov, selah.